bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. Petite vidéo parce qu'on va parler du coup du giveaway, parce que là vous savez que ça va être les 3 ans, l'anniversaire du coup des 3 ans de Life After en Europe. Et donc il y a un petit giveaway sur la chaîne. En gros, pour participer, ça va être très simple, je vais vous dire les règles directement. Et en plus de ça, il se peut que dans la vidéo il y a un deuxième concours, vous verrez dans la vidéo, je vous en parlerai. Mais pour participer, en gros, ça va être pour gagner ce skin là. Donc il y a 4 personnes je crois qui, je sais plus si c'est 3 ou 4, je crois que c'est 4 hein, personnes qui peuvent gagner. Donc en gros, ça c'est les skins qu'il y aura dans le prochain event. C'est pas des skins à gacha, c'est des skins à je crois 2000 ou 2000, j'ai plus combien de faits, mais c'est des trucs en achat direct. Bref, et en gros, il y a 3 skins différents. Donc vous voyez, je vous ai mis des numéros 1, 2 et 3 sur l'image, parce qu'en fait bah, les skins pour mec et pour meuf sont pas les mêmes à côté. Donc voilà, en gros, faudra juste mettre un commentaire où vous mettez le numéro du skin que vous préférez, et en plus de ça vous mettez un message dans lequel il y a votre surnom, votre camp, votre identifiant du coup, et le serveur. Donc vous me faites surnom, camp, compte ID, serveur, et en haut ou en bas vous mettez le numéro du skin que vous voulez, du coup bah 1, 2 ou 3, sachant que bah, du coup vous aurez un skin. Évidemment, si vous mettez pas de numéro, bah je saurai pas c'est lequel que vous voulez, et du coup il va falloir vous contacter et tout, ça va être extrêmement long. Et donc voilà. Mais d'ailleurs, ah oui, attendez, parce qu'il y a plein de trucs que je voulais dire dans la vidéo. J'ai reçu pas mal de messages par rapport à ça, donc je vais vous en parler. On va aller à, je crois que c'est champ de tir. J'ai encore reçu un message hier pour ça, je vous en parle. Mais en gros, il y a des gens dans le jeu qui se font passer pour des développeurs. C'est pas une blague, hein, c'est pas une blague, parce que vraiment, je vais essayer de retrouver, c'est Gwenel qui m'a dit, voilà, je vous jure que c'est pas la seule. Pour le coup, vous moquez pas, c'est pas la seule, plein de gens m'ont fait le message. Il y a des gens qui soi-disant disent, ouais, je suis un développeur et tout, j'ai une Zambato Sakura, alors qu'elle est pas encore dispo dans le jeu. Enfin, elle est dispo dans le jeu. En gros, elle est dans les fichiers du jeu. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez dans Arme non létale, ici, pas là du tout, vous allez là-dedans, vous allez ici, vous la voyez, mais elle a jamais été encore en dispo, donc normalement personne ne peut la voir. Sauf que si vous allez ici, que vous allez dans Zambato, où est-ce qu'elle est la Zambato, elle est ici, vous prenez la Zambato Sakura, vous faites édition, voilà, là vous pouvez la voir et vous me dites, oui, bah, je l'ai, mais je peux pas sortir du truc. Sauf que ce que font les mecs, c'est qu'ils vont ici, ils font partager chat monde, chat scène, chat camp, etc. Donc par exemple, je la partage de chat monde. On va aller chat monde, et là vous voyez que du coup il y a écrit Zambato édition Sakura, et qu'en plus ça, si je dis pas de bêtises, il y a mon nom. Alors oui, regardez, je vous en ai pas parlé, je crois que, je sais pas si les shorts sont encore sortis, mais je suis en full 8 sur l'arme secondaire également. Ça fait plaisir. Et en fait, du coup bah, je la partage, et normalement il n'y a pas écrit mon nom de forgeron, je sais plus, il faut l'écrire pour qu'on le voit. Mais voilà, et donc les gens disent, ouais, je suis un développeur et tout, je sais pas quoi et tout. Donc il y a quelques guignols qui sont amusés à faire ça, et évidemment ne les croyez pas, il y a une explication logique et rationnelle à tout. Sachant qu'en plus, les devs du jeu sont chinois, donc je dis pas qu'un chinois peut pas parler français, mais... Général, les devs, ils sont chinois, ils vont parler chinois et tout, et ils vont pas s'amuser à partager des trucs qu'en plus eux auraient et que les autres ne pourraient pas avoir, etc. dans le jeu, pour en tirer profit ou un bénéfice ou quoi. Donc voilà, ne croyez pas à ces trucs-là et tout, plein de gens m'ont fait leur remarque. Mais bref, alors, je vous ai fait une vidéo sur la tier-list des puces. Et là, on va faire un truc. Je vais faire 4 tirages x5 là-dedans, si jamais... j'ai un tirage en bleu à faire, on le fera aussi. Si jamais dans les 4 tirages je chope la puce, soit celle-là, le courage augmente au fur et à mesure mes couilles et tout, soit le rechargement, si jamais j'ai une des deux puces là, je vous fais gagner Zambato. Zambato classique, hein, parce que du coup j'ai pas la Sakura parce que je suis pas développeur, et qu'en plus de ça bah, elle est pas sortie dans le jeu. Mais Zambato classique max AP, bah, elle est là, elle est toujours en vente, enfin elle est toujours en vente, elle est publiée dans 7 heures, mais puisque j'en ai chopé une l'autre jour, enfin 5 du coup, 5 craft, je vous en fais gagner une en plus dans les commentaires. Par contre, ça sera que sur Fall Forest et Hope Valley, parce que bah, du coup je peux pas les, vu que c'est moi qui le donne, je peux pas les filer entre les serveurs et tout. Donc désolé, que pour Fall Forest et Hope Valley. Si jamais dans les 4x5 on chope du coup soit celui-là, le courage augmente au fur et à mesure que la bataille progresse, soit rechargement tactique, je vous en fais gagner une, c'est cadeau, ça fait extrêmement plaisir. Mais je fais le petit tirage en bleu. Oh, on a eu du violet. Donc j'avais déjà, mais c'est celle dont je me sers. En plus j'oublie à chaque fois de switcher, je suis un guignol, parce que ça c'est pour le PvE. Donc pour le PvE, j'ai celle qui augmente le bonus de dégâts mais qui baisse la réduction de dégâts. Et à chaque fois que je vais en PvP, non pas que j'en fais beaucoup, mais bah j'oublie de changer la puce et de mettre du coup celle qui... En fait, faut que je fasse des plans. J'ai pas fait des plans, faut que je pense à le faire pour switcher mes trucs. Donc en vrai,
Bon, par contre, il m'en faut 110 là pour la maxer, donc elle sera pas maxée tout de suite. Mais une fois qu'elle sera maxée, mais moi, il ne sera plus que les dorés à monter. Et ça fait plaisir. Donc bref, on est parti. Hop, ne plus me la rappeler aujourd'hui, oui. Oh, j'ai déjà... Non, je suis dégoûté. On a une puce dorée directe. En plus, je l'ai déjà. Mais celle-là, elle est très bien. C'est celle-là que je suis censé switcher quand je vais en PvP, que j'oublie à chaque fois. Et du coup, quand tu l'as déjà, ça te... Ah ouais, 40. 40, c'est pas mal, hein. 40, c'est pas mal. Bon, bah, celle-là. Ou celle-là. Ou les deux. Et du coup, petite en bateau, là, comme ça, à gagner. 8 composants premium, c'est cool. Par contre, le truc qui est un peu naze, c'est qu'on se fait spoil. Donc, en fait, vous savez quoi? Comment j'enlève le truc, attendez. Hop, voilà, je fais le tirage, comme ça vous voyez pas s'il y a du dor ou pas. Même moi je regarde pas la tablette, je me cache le visage. Enfin le bas du visage du coup. Je vous remets l'écran, on sait pas s'il y a du doré, peut-être y'en a, peut-être y'en a pas. Ok, y'en a pas. On a eu juste un composant x8, vas-y. Pas de doré. Pas de doré mais un violet, deux violets. Plus obtenu. Après, je crois, si je dis pas de bêtises, que les violettes, je les ai toutes. Comment tu vois celle qui te manque? Un index. Ah, en fait, il manque que les dorés. Il manque que les dorés. Je veux bien les deux, moi, les gars. Je veux bien les deux, là, s'il vous plaît. Je veux vraiment bien les deux. Si jamais j'en ai une des deux... Je crois qu'il y a un truc à la fin. Je sais pas si c'était violet ou... Ok. Ah, bah, c'était du bleu. Bon bah dommage, on s'est fait les 4x5 et on a rien eu. Est-ce que j'ai assez? J'ai assez pour monter ça. La question c'est, est-ce que je monte ça ou est-ce que je monte celle-là? Augmente l'armure. Attends, élimination de dégâts. Parce que ça me ferait passer combien? 1,4 d'armure, trop bien. Et 14% de... Attends, quoi? Ah, ça augmente pas la réduction de dégâts là, ça m'augmente du coup. Ressort des PV égal à 13% du total PV subi pendant la durée de l'effet, le surplus est converti en bouclier. Après, 14% des PV sur 2000, ça m'en ferait 280 PV, donc 280 de shield, ce qui est rien. Ce qui est un peu rien en vrai. Je pense que je vais laisser comme ça, parce que pareil, 1,4 d'attaque, d'armure. Si je me stuff, est-ce que l'armure finit par un truc dégueulasse ou pas? Non, je suis à 209 points, donc il me faudrait 1,9 d'armure. Donc, pas ouf en vrai. Pas ouf. Ouais, je vais améliorer les dégâts. Peut-être on va monter la... Celle des dégâts. Faut vraiment que je me fasse un setup de plusieurs ceintures. Parce que celle-là, elle est bien, mais... Trop situationnelle. Je préfère le combo crit en vrai. Je préfère clairement le combo crit. Mais on va l'améliorer du coup. Et j'ai la ceinture, bah du coup, pas maxée, mais parce qu'il y a les dorés. Et la dorée, le truc c'est que je garde les composants parce que j'aimerais vraiment... Quoique celle-là, ça donne quoi? Ah, t'es quand même à 23,6 de... Tu gagnes 1,3% de chance de crit, ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas dégueu, mais comme là, il n'y a pas de PVP. L'arène, pareil, hein, je partage les games tous les jours, mais... Il y a souvent des bots, quoi. Donc apparemment, ils vont patcher le truc, d'ailleurs, parce que là, j'ai vu qu'il y a des gens qui abusaient un peu du truc, hein, la gueule du classement. Il y a même un niveau... Bah là, il y a les mecs de chez Luna, les Paytwin qui ont fait leur truc. Mais il y a un niveau 69 qui est dans le top de l'arène. Il y a des gens qui ne peuvent pas du tout, qui sont dans le top de l'arène. Pareil, lui aussi, je crois, il est... Maintenant, c'est le même, en fait. J'ai cliqué deux fois sur le même profil. Ouais, niveau 103. T'as combien de kills? Ah ouais, 13 000, hein. 13 000 kills niveau 103, beau gosse et tout. Mais voilà, donc il y a plein de gens qui... Pas qui abusent du truc, mais qui font exprès d'avoir que des bots et tout, donc c'est pas ouf. Est-ce que on peut se faire quelques tirages? Parce qu'il manque toujours la lame, bah celle-là, mais en rose du coup. Ah, faut que je monte un truc. Ah bah, on se fait 2-3 tirages, on est à sortir 2-3 modifs de Scar également. Là, je vous fais des tirages et tout, juste pour pas... Parce qu'au début, je me suis dit, je vais juste faire une vidéo où je suis en mode, hey, il y a un skin à gagner et tout. Et je trouvais ça naze. Mais regardez, j'ai les boules. J'ai failli pouvoir monter l'armure aujourd'hui, sauf que j'ai tout fait. Donc j'ai pris évidemment tous les packs comme ça, là, tu peux plus acheter. Et je suis à 97 sur 100 au dernier level, donc...
petit peu les boules quand même quoi. J'ai tout fait et le truc c'est que bah comme on est dans l'event, il n'y a pas la bataille de factions, donc j'ai pas pu la faire aujourd'hui ni hier. Sinon je pouvais monter mon truc. Ah mais d'ailleurs je pourrais prendre mes puces là. Ah oui parce que comme il y avait le boss hier. Hop, merci pour les puces. Et on va tenter de modifier l'ascar, parce que l'ascar c'est pareil, tous les jours je fais quelques tirages et tout. Toujours rien pour comme modif sur l'ascar. Elle est où l'ascar? Petite arme me bleue là. Parce qu'en fait, pas mal d'armures sur le marché. Il y a des gens qui ont des modifs pas trop dégueu. Mais il n'y a pas de bonnes modifs pour l'ascar pour le moment, hormis des trucs genre max AP. Et en vrai, juste un max AP, pas ouf. Dommage. Mais... c'est bien ça, au moins la vitesse de recharge. Putain, 162, vraiment, ils m'auraient fait une modif comme ça pour... mais max AP, je prenais direct en fait. Attends, on trouvait juste un tirage pour avoir de quoi modif le truc là. Hop, yes, 180, nickel, merci. Hop, arme. Où est-ce qu'elle était déjà? Ici. 165? Pas du tout. Donc bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Chaque live vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Du coup, pour participer, n'oubliez pas de mettre le numéro du skin. Je vous le remets, etc. Au cas où il y a des retardataires. Et vous mettez du coup tout ce qui est dans les paramètres. Le pseudo, le camp, l'identifiant et le serveur. Vous mettez tout ça. Et comme ça, vous pouvez participer. Je ferai le tirage au sort. Peut-être dès que la mage est... pas la mage, mais dès que l'event sort. Du coup, mercredi prochain, on est le 18 actuellement, donc le 24. Et peut-être le mercredi 24 ou le jeudi 25, on verra comment ça se passe. Donc bref, chers clubs d'or, vous aura plu, je vous abandonne là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, salut, bye bye.